Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Vous ne les avez peut-être pas encore entendus, mais ça y est, la grande migration des oies sauvages a commencé. Elles vont parcourir 3000 km en partant de Suède pour passer l'hiver à la pointe sud de l'Espagne. Un long périple débute. La migration des espèces est un phénomène biologique d'adaptation aux contraintes. La nourriture se faisant plus rare et les températures diminuant, de nombreux oiseaux migrent pour survivre. Aussi, les événements de leur environnement conditionnent leur mobilité. Un réchauffement, un refroidissement, la durée du jour ou bien encore une pluviométrie abondante, une pression humaine trop importante, tels peuvent être les facteurs amenant à la migration. À travers le règne animal, nous pouvons citer différentes espèces d'animaux qui migrent comme les insectes, les poissons, les tortues de mer, les cétacés et certains bovidés africains. Tous les animaux ne sont donc pas des migrateurs. Il semblerait que ces espèces soient douées d'aptitude au voyage car les grandes distances parcourues sont jonchées de dangers. Leur inadaptation à un milieu de manière sédentaire les a pourvues de capacités surprenantes. La sensibilité des oiseaux aux ultraviolets émis par le soleil leur permet de se diriger, et ce, même à travers les nuages. L'orientation se fait également avec la lune et les étoiles, et de nombreuses espèces sont également sensibles aux champs magnétiques ou encore aux odeurs ou infrasons. La sédentarité est donc possible lorsque la satisfaction des besoins vitaux des individus est assouvie. Alimentation, eau, habitat, sécurité et bien-être, voici les éléments essentiels à la sédentarisation que l'on retrouve également chez l'être humain. Aux contraintes naturelles existantes, l'homme s'est vu s'ajouter d'autres contraintes qui l'incitent à la migration. Qui n'a jamais déménagé pour se rapprocher de son lieu de travail, par exemple? La société dans laquelle nous vivons façonne donc notre mobilité. Les animaux voient dans la mobilité un acte inné destiné à la survie, alors que chez l'être humain, cet état est représenté par la migration contrainte, comme nous pouvons le constater à travers les différentes zones de conflit dans le monde, ou bien encore dû à un réchauffement climatique menaçant, de famine et de désertification. Cette migration est irrépressible parce qu'elle suscite en nous l'instinct que nous avons tous, celui de la survie. Mais la migration humaine n'est pas qu'une mobilité physique de survie, et c'est là où l'homme diffère de l'animal. La modernisation des transports a permis à l'humanité de parcourir le monde et de s'installer où bon lui semble, ou presque, parce que la migration humaine a un coût. Je suis un grand chef d'entreprise souhaitant m'implanter dans un autre pays, je migre sans problème, avec une promesse d'apporter une plus-value financière à mon pays d'accueil. Je vais créer de l'emploi, modifier les conditions de vie des habitants et permettre à l'économie de s'élancer. Je suis un migrant riche. Je fuis mon pays pour cause de guerre ou de changement climatique drastique, ne me permettant pas d'assouvir mes besoins vitaux. Je migre difficilement et finit par m'échouer sur une plage de Méditerranée ou bien contre un grand mur surplombé de barbelés. Je suis un migrant sans le sou. Dans les deux cas, une même énergie, celle de l'amélioration du niveau de vie. La seule différence réside dans la motivation de cette amélioration. Dans le premier cas, l'individu a ses besoins vitaux complètement assouvis, mais il veut plus, il veut croître et absorber. Dans le second cas, les besoins vitaux sont au point critique. Il ne s'agit pas ici de voracité, simplement de survie biologique et naturelle. L'énergie vitale dont chaque être humain est pourvu l'incite et le dirige continuellement vers une amélioration de ses conditions de vie. Cette croissance propre à chaque individu peut provoquer des conflits entre cultures au sein d'une même société. Nous sommes champions pour chercher nos différences, mais beaucoup moins pour trouver nos points communs. La migration humaine a toujours été, par contre, une migration nouvelle qui date certainement d'à peu près une centaine d'années et qui s'est mise en place au détriment des peuples, de nos cultures et de nos bien-être,
et la migration financière. Et oui, même si celle-ci est virtuelle, cette mondialisation a permis la mobilité financière et ainsi la création d'un cercle très privé, celui des 1% les plus riches. Cette migration dangereuse cause l'insécurité mondiale actuelle, tant au niveau politique, social que climatique, et nous la tolérons. Une autre migration importante et constante dont nous jouissons tous les jours est peut-être l'afflux massif de plastique et de produits chimiques dans nos maisons, appréciant toujours un peu plus un confort compulsif et morbide qui pollue et asphyxie les prochains locataires. Le contexte actuel climatique et son emballement vont causer d'innombrables mouvements de population en Afrique, en Asie et un peu partout dans le monde au rythme des catastrophes naturelles. La résistance du capitalisme face à l'urgence d'un changement drastique pour une sauvegarde de l'humanité crée des tensions sociales à travers le monde. L'humanité doit se contraindre à une harmonisation par la baisse des inégalités. Et nous parlons ici de niveau de vie. Si nous continuons à croire et à voir le monde par le filtre de l'argent et de la richesse, nous sommes perdus, car nous continuons de nous enivrer d'un rêve qui tournera au cauchemar brutalement. Ce monde qui s'effondre nous demande de reconsidérer notre vision d'une vie réussie, se recentrer sur le vivant qu'il faut sauvegarder, qu'il s'agisse de la biodiversité, de la faune et de la flore, des éléments, la terre, l'eau, l'air, et bien évidemment de l'être humain, qui est le miroir de notre propre humanité. Qui sait, demain, je serai peut-être contraint de migrer pour survivre. Et ça, ce n'est plus du superficiel, mais bien réel et vital. Je serai à ce moment-là obligé de reprendre contact, de recréer un lien avec l'autre, de coopérer pour réussir. Même si l'homme est un loup pour l'homme, n'oublions pas que seul avec son confort, il n'est rien qu'une coquille vide. Tels les oies sauvages qui s'organisent pour assurer leur vol, la société humaine doit aujourd'hui se coordonner autour de mêmes défis qui dépassent nos conceptions classiques et culturelles de vie. Refonder notre système sur les besoins inhérents à la nature et aux besoins de l'homme, dans un souci de respect et d'introduction de droits à la nature, mais aussi en respectant fondamentalement la Déclaration des droits de l'homme, ce qui devrait être aujourd'hui scrupuleusement suivi par nos élites. Imposons la nature et l'homme sur le trône de l'argent et nous redessinerons un monde en accord avec les enjeux actuels et futurs. En attendant, écoutons le chant des oies, regardons-les se déplacer à travers le ciel en escadron. Le départ des migrateurs nous annonce l'hiver qui pointe le bout de son nez et la nécessité de s'y préparer tous ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Ouais, Green, oui. Green, comment ? Oh, super Green. Green aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babosses. Green, tu vois ? Mais tu vois, Green, absolument. Green, plus Green.